décembre 77 aux Abîmes, je suis né. J'ai une famille plus proche des pauvres que d'être fortuné. Mes parents sont originaires d'Haïti, terre indépendante que mon cœur a choisi pour pays. La plupart de mon enfance, je l'ai passée auprès de ma mère. Je peux pas ne pas mentionner qu'elle surmonta beaucoup de galères. Et elle continue à ramer, trimer jusqu'à 7 heures. Sur une main, je peux compter le nombre de fois que je l'ai vue en pleurs. On nous fit venir en France au prix de nombreux sacrifices, pensant que la France était terre de réussite. On m'avait dit qu'à Paris, des hélicoptères aspergeaient du parfum sur la ville. Mais dès que je suis arrivé, j'ai compris que c'était pire que Jalalabad, ma ville natale en Afghanistan. Je n'aurais jamais pensé que c'était comme ça. On m'avait dit qu'à mon arrivée, j'aurais tout garde l'Est. Et puis là, je vois des gens beaucoup plus malheureux que moi. Sachez que pour les migrants, surtout ceux qui prennent la route à pied ou par bateau, ou ceux qui remontent par exemple du Nigeria et passent par le Tchad ou le Niger et la Libye, ces gens-là, en fait, les psychiatres, ils expliquent qu'ils subissent trois traumatismes. En fait, il y a le premier traumatisme, c'est le jour quand il va quitter son pays. Parce que là-bas, c'était une personne. Elle avait une famille, elle avait une culture, elle avait un travail. Le deuxième traumatisme, c'est la traversée, en fait. Quand il va se taper 3 ans, 4 ans...